Michel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une toute nouvelle série sur ma chaîne. On va s'intéresser aux familles iconiques des Sims et à leur histoire, pas seulement dans les Sims 4, mais dans tous les jeux Sims sur PC. J'ai déjà vu des anglophones faire ce genre de vidéos, mais jamais des francophones, et je trouve ça vraiment dommage parce que leurs histoires sont passionnantes. Alors si ce concept vous plaît, pensez à me le dire en commentaire ou à liker la vidéo pour me le faire savoir. Je tiens d'abord à préciser que cette vidéo contient des images appartenant au youtubeur Rémi Marocelli qui a généreusement accepté que je les utilise pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne parce qu'il fait des machinimas absolument sublimes et bien entendu le lien vers sa chaîne sera en barre d'infos. Et pour inaugurer cette série, on va tout de suite se pencher sur l'histoire de la famille gothique. Cette famille est clairement la plus emblématique des Sims, tout opus confondu. Ils sont présents dans le jeu depuis les Sims 1, sorti en 2000, mais aussi dans les Sims 2 en 2004, les Sims 3 en 2009 et enfin les Sims 4 depuis 2014. On les connaît donc plutôt bien, ils font en quelque sorte partie du paysage de notre jeu, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un lourd mystère entoure cette famille. On va donc retracer leur vie, comprendre ce qui leur est arrivé, en se concentrant sur le couple Vladimir-Sonia. Déjà, d'un point de vue chronologique dans la vie des Sims, les Sims 3 se passent avant les Sims 1 qui se passent avant les Sims 2. Donc on a Sims 3, Sims 1, puis Sims 2. Tandis que les Sims 4 représentent un genre de réalité alternative qui ne tient pas compte de cette chronologie. La vie des gothiques commence alors dans les Sims 3, dans la ville de Sunset Valley. Vladimir et Sonia ne sont alors que des enfants et vivent chacun avec leurs parents. De son côté, Vladimir habite dans le manoir familial avec son père et sa mère, Gunther et Cornelia Gothic, anciennement Cornelia la Dentelle, avant qu'elle se marie avec Gunther. Dans ce manoir, on trouve d'ailleurs un cimetière dans lequel reposent les grands-parents de Vladimir, c'est-à-dire les parents de Gunther et les parents de Cornelia, ainsi qu'une mystérieuse jeune fille, Lolita Gothic, dont je parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. À cette époque déjà, la meilleure amie de Vladimir n'est autre que Sonia Galantom. Vous l'aurez compris, Galantom est le nom de jeune fille de la Sonia gothique que nous connaissons tous. On comprend donc qu'avant de former cette famille emblématique des Sims, de se marier, d'avoir des enfants, etc., ils étaient déjà amis d'enfance. Sonia vit alors avec ses parents, Bruno et Jocaste Galantom, ainsi qu'avec son grand frère Michael. Elle est décrite dans les Sims 3 comme une enfant modèle, très sociable et adore déjà la couleur rouge qui la caractérise. On passe maintenant aux Sims 1 qui se déroule donc après les Sims 3 d'un point de vue chronologique. Vladimir et Sonia sont alors mariés et ont eu un unique enfant, Sandra alias Cassandra Gothic, puisque son nom a été modifié entre les Sims 2 et les Sims 4. Il s'agit uniquement d'une volonté des développeurs de se démarquer justement de la chronologie des opus précédents, donc pas de théorie à avoir là-dessus. Ils habitent tous les trois dans un genre de manoir au style gothique, assez sombre, comme d'habitude. Vladimir travaille alors dans la carrière scientifique tandis que Sonia est femme au foyer. Cependant, un de ses centres d'intérêt est le paranormal, ce qui est vraiment très intéressant pour la suite des événements. Michael, le grand frère de Sonia, est aussi présent dans cet opus, mais il vient tout juste de finir ses études à l'université. Sachant qu'il est plus vieux que Sonia, ça suggère donc qu'elle n'a pas fait d'études ou très peu et s'est mariée et est tombée enceinte très jeune. Globalement, à ce moment-là, tout va bien dans le meilleur des mondes pour la famille gothique, avec un mariage solide, un beau manoir et une enfant modèle, Sandra ayant d'excellentes notes à l'école. Mais tout ça, eh bien, c'était sans compter l'arrivée des Sims 2. Qui se déroule précisément 25 ans après les Sims 1. Et c'est là que la partie la plus intéressante de leur histoire commence. On retrouve les gothiques dans la ville de Mont-Saint-Pa, toujours dans un manoir. Vladimir a vieilli, c'est désormais un homme âgé, et sa fille Sandra est devenue adulte. Pendant les 25 ans qui séparent les deux jeux, on apprend que Vladimir et Sonia ont eu un deuxième enfant, Alexandre, qui a rejoint le foyer. Sandra, quant à elle, est fiancée avec le tristement célèbre séducteur Don Lotario et le frère de Sonia, Michael, s'est marié avec Dina Caliente mais est décédé par la suite. Ces éléments ont leur importance dans l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Mais le point le plus important concernant les gothiques dans les Sims 2, c'est que Sonia a littéralement, mystérieusement, disparu du foyer. On peut être sûr à 100% qu'elle n'est pas morte puisqu'elle apparaît encore en couleur dans l'arbre généalogique de la famille gothique, ce qui veut dire que le jeu la considère comme encore en vie, sans quoi son portrait serait gris.
Cependant, elle reste introuvable et on peut voir notamment des avis de recherche avec son portrait sur les briques de lait dans le jeu. Alors la question qui se pose, c'est où est passée Sonia et qu'est-ce qui lui est arrivé? Et on va tenter de répondre à cette question. Étrangement, le dernier endroit où elle semble avoir été avant de disparaître définitivement est la maison de Don Lotario avec qui sa fille Sandra s'est fiancée. D'après les souvenirs de Don dans le jeu, il aurait tenté de séduire Sonia qui aurait refusé ses avances juste avant de disparaître. Don Lotario est connu pour enchaîner les conquêtes. Et dans les Sims 2, il entretient une liaison avec les deux sœurs Caliente, Dina et Nina, en plus d'être fiancé à Sandra. Et la biographie qui décrit son personnage dans le jeu est « Qui est Don Lotario ? S'est-il fiancé à Sandra Gothic uniquement par amour ?» Et que dire de cette rumeur qui prétend que Sonia, la mère de cette dernière, a été vue pour la dernière fois en train de quitter l'appartement de Don ? En gros, Don a été le dernier à voir Sonia avant sa disparition, ce qui le rend vraiment très suspect dans cette affaire. La biographie des sœurs Caliente est également intéressante, puisqu'elle nous dit « N'est-ce qu'une simple coïncidence si les sœurs Caliente sont arrivées précisément la veille de la disparition de Sonia ? Et leur attirance pour Vladimir est-elle physique ou plutôt intéressée ? Et effectivement, dans les relations de Dina, on voit qu'elle s'intéresse grandement à Vladimir Gothic qu'elle essaye de séduire. Elle pourrait donc aussi être liée à la disparition de Sonia. Il se trouve également que les sœurs Caliente ont des origines extraterrestres venant de leur grand-père paternel dans leur arbre généalogique. Or, la théorie la plus populaire concernant la disparition de Sonia est justement qu'elle aurait été enlevée par des extraterrestres. Les extraterrestres sont présents dans les Sims 2 comme dans les autres opus des Sims, et lorsqu'un Sim utilise un peu trop souvent le télescope, il peut se faire enlever par une navette spatiale. De plus, si le Sim qui a été enlevé est un homme, il y a une possibilité pour qu'il tombe enceinte lorsqu'il réapparaît dans le jeu et qu'il donne naissance à un bébé alien. Ce qui explique comment les Caliente peuvent avoir du sang extraterrestre tout simplement parce qu'un de leurs ancêtres s'est fait enlever. Or, comme on l'a vu précédemment, Sonia Gothic dans les Sims 1 s'intéresse beaucoup au paranormal, ce qui pourrait indiquer qu'elle utiliserait souvent le télescope et donc qu'elle aurait pu se faire enlever. Dans tous les cas, elle a disparu peu de temps avant le début des Sims 2, puisqu'elle est présente dans les souvenirs de toute la famille. Vladimir et Sandra ont un souvenir d'elle se faisant justement enlever par des extraterrestres, mais ce n'est pas le cas d'Alexandre, son plus jeune fils, probablement parce que l'enlèvement s'est produit alors qu'il n'était qu'un bébé. D'après certains, il existe deux possibilités. Soit les extraterrestres auraient relâché Sonia dans une autre ville des Sims 2, c'est-à-dire Zarville, soit elle serait toujours captive. La théorie concernant Zarville est née du fait qu'on y retrouve une Simette physiquement presque identique à Sonia. Dans toutes les langues du jeu, elle porte également le même nom, sauf dans la version française, bizarrement, où elle s'appelle Cathy Lalouche, ce qui serait a priori une erreur de traduction. Pour donner plus de crédit à cette théorie, il y a également la page d'accueil de Zarville, avant d'entrer dans la ville du jeu, sur laquelle on peut voir une grande photo de Sonia. Toujours dans les Sims 2, il y a également un tableau dans le mode achat qui représente Sonia, et quand on le place dans une maison, il est possible que Sonia vienne sur le terrain. Cependant, cette Sonia n'a aucun souvenir de sa vie à Mont-Saint-Pas avec sa famille, et possède un arbre généalogique totalement vide. On trouve également une Sonia gothique dans la ville de Lunar Lakes des Sims 3, qui a sa propre chronologie. Ici, Sonia gothique est malheureusement décédée, mais elle ne ressemble pas vraiment à celle qu'on connaît. Elle est blonde, elle n'a pas le même visage, les mêmes traits. Cependant, Maxis aurait confirmé qu'il s'agit bien là de la Sonia de Mont-Saint-Pas. Pour résumer tout ce mystère, il est donc possible que Sonia ait été enlevée par des extraterrestres alors qu'elle quittait la maison de Don Lotario, puis qu'il l'ait relâchée à Zarville une fois qu'ils en avaient fini avec elle, en effaçant tous ses souvenirs, ceux de sa famille, de sa vie à Mont-Saint-Pas, et elle se serait ensuite mystérieusement retrouvée à Lunar Lakes et y serait morte. De plus, les sœurs Caliente, à cause de leur liaison avec Don et Dina qui veut séduire Vladimir, auraient tout intérêt à ce que Sonia disparaisse. En prenant en compte leurs origines extraterrestres, elles auraient très bien pu la faire enlever. Cependant, s'il est certain que Sonia s'est faite enlever par des extraterrestres, le reste reste uniquement théorique et rien n'est certain concernant la suite.
Et pour l'instant, Sonia mène une vie paisible avec sa famille dans l'univers parallèle des Sims 4. Et sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le concept de cette nouvelle série vous a plu et que vous aurez envie d'en savoir plus sur les différentes familles des Sims. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à liker et partager la vidéo pour me le faire savoir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et activer la petite cloche des notifications pour être informé quand je sors une nouvelle vidéo et me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. N'oubliez pas que vous pouvez également désormais me soutenir gratuitement sur Utip en regardant quelques pubs, ça m'aide vraiment beaucoup et vous aurez votre petit nom en description des vidéos pour vous remercier. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !